C'est un food hack. J'ai réussi là. Donc on va faire un food hack et ce sera des beignets nature. Et moi je vais faire en fait, comment dire, je vais faire aussi le Nutella. Donc avec du Nutella et il y en a d'autres qui seront nature. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne ainsi que d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Donc il vous faudra 200 g de farine qu'on va tamiser. Ouh là là, si j'en mets pas partout. Vous allez voir, cette recette est super simple. Avec une cuillère à soupe de sucre. Comme ceci, avec, on va essayer de poser comme ça, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, et un sachet de levure boulangère. Et avec du sel. On va mettre plus comme une cuillère à café plutôt. Hop, comme ceci. On va y ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Il y aura besoin d'un œuf. Et 50 ml d'eau. J'ai goûté la pâte et elle n'est pas du tout sucrée, donc on va ajouter du sucre. On va y ajouter un peu de sucre glace. Laisser reposer au moins 30 minutes, 30 minutes à 1 heure. La pâte là, elle a gonflé, donc on va la sortir. Thank you.
Donc là, on va refaire la même chose. On va utiliser les petits papiers qu'on a déjà utilisés. Bon, je suis désolée, ils sont un peu gras, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai une seringue pour cuisine. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. On va prendre un et on va planter à l'intérieur. Je sais même pas si ça pousse. On va peut-être enlever juste la seringue. Je sais pas du tout si le Nutella rentre dedans ou pas. Je sais pas ce que ça descend. D'abord, nous allons voir pour les beignets. L'intérieur, c'est comme ça. Ça a l'air super bon. Ça a une super bonne odeur. On va goûter. C'est super bon.
C'est fondant au milieu et croquant en fait autour. Mais on va essayer deux beignets au chocolat, on va voir s'il y a. Non, ça n'a rien fait du tout. Je pense que le Nutella était trop épais. Et que j'aurais dû le faire chauffer d'abord au micro-ondes pour qu'il soit un peu plus liquide pour pouvoir avoir du chocolat. Du Nutella. On va essayer d'ouvrir celui-ci juste pour voir. Ah, finalement, ça a bien fonctionné. En tout cas, je valide ce food hack. C'est super bon, c'est bien croustillant autour, c'est moelleux à l'intérieur. On a même réussi à mettre du Nutella à l'intérieur. Mais je trouve juste que c'est un peu trop épais ici à l'intérieur. J'essaierai une autre fois pour voir, pour faire moins épais à l'intérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de confinement et que tout se passe bien pour vous. Et on se revoit pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.